Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour un vlog, puisqu'on part à Lyon pour la WooFest. Je pense que vous commencez à connaître la WooFest, anciennement WooFrun. Le dernier vlog d'ailleurs, c'était la WooFest de Toulon, que je vous montrerai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Nous avons un programme assez chargé puisque nous avons un événement le mercredi soir sur Lyon. Ensuite, jeudi, vendredi, c'est balade et samedi, dimanche, il y a la WooFest sur Lyon. Comme d'habitude, je vous emmène avec nous et je vous laisse avec le vlog. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, c'est la patte enchantée. Surtout sur Insta, on vous partage beaucoup plus de choses. On charge la voiture et direction Lyon pour rejoindre notre hôtel. On vient d'arriver, regardez, on a une petite affiche avec des balades, des lieux dog-friendly, donc trop bien. Et on a aussi un petit mot, Mélodie Opus, vous allez passer une nuit de ouf avec une gamelle et des friandises. J'avais pas vu aussi ce petit mot, welcome home Léa, nous sommes ravis de vous accueillir au Mama Shelter Lyon. Trop gentil. Je vais tout de suite vous faire un petit room tour avant que j'oublie de le faire. Alors ici c'est la porte d'entrée, on a un petit évier, c'est super pratique, avec il me semble un frigo. Et ensuite on a donc le miroir à gauche, à droite on a la salle de bain, elle est super grande. Coucou. Ensuite on peut poser les affaires ici, on a le lit. Une télé. Opus qui regarde la vue. C'est trop mignon, il y a même des petits cookies. On part se balader un petit peu. Normalement, il y a un parc pas très loin. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you... Qui est-ce qui a oublié sa trousse de toilette? C'est moi. Génial, j'étais ravie. En début de soirée, nous avons été à l'événement Lyon Mon Amour qui rassemblait des entreprises de la région lyonnaise. L'occasion de découvrir des petits créateurs mais aussi des professionnels dans le monde canin. Nous sommes partis manger, puis au dodo. Jour 2. Bon, et bien c'est parti pour une nouvelle journée. On est jeudi. On est en train de préparer nos affaires pour partir de l'hôtel, puisqu'on a un autre hébergement dans un camping. Et on va aller se promener, bien sûr, avant de rejoindre notre camping, parce que je crois qu'on peut déposer les affaires à partir de 14h. Donc en attendant, on va aller faire une petite balade pas très loin. Il y a pas mal de cascades et de forêts, donc on va voir. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau et peut-être qu'on ne trouvera pas la cascade, mais en tout cas, c'est pas grave. On va se promener et les chiens vont être contents. Comme vous l'avez compris, nous allons nous promener à la recherche d'une cascade. Nous n'étions pas sûrs de l'endroit, mais nous avons bien fait de continuer. Bon, on n'est pas perdu. Cascade de la Roche à 600 mètres. On est arrivé! Regardez, c'est trop beau. J'adore. En plus, on est seul au monde. Vas-y, mon loulou, vas-y. Ah, j'adore. Le lieu était magnifique, c'était vraiment incroyable.
Après cette balade, nous avons rejoint la voiture et il a commencé à pleuvoir. On est donc parti récupérer les clés de notre logement. Alors, on vient d'arriver dans notre petit chalet. Je vous fais tout de suite un room tour. Alors, nous avons à droite le coin cuisine. En fait, je vous fais le room tour en même temps que je visite moi. Le canapé qu'on vient de couvrir. Une petite télé. Ici, nous avons une salle de bain. Là, il y a une chambre. Ici, nous avons les toilettes. Et ici, normalement, ouais, il y a la deuxième chambre. Voilà. Bon, on vient d'aller faire les courses et regardez ce qu'on voit. On tombe sur un maxi-zoo. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris puisque on a été faire les courses sans eux. Donc bon, on est passé devant maxi-zoo, on s'est dit, on va leur ramener quelques trucs. On a des petites pattes de poulet. On a un petit jouet, un petit poussin. Bah oui, tu vois. Tu vois, je te l'ai dit. Oh oui, t'as vu. Oui, mon cœur. Oh, cadeau à ma fille. Après, tu l'auras. Après, tu partages avec ton frère quand même. Hein? Et après, ça, ils vont se régaler. On a... tu veux. On a deux petits beignets comme ça au poisson. Ils adorent ça. Et là, bah, il pleut encore. Franchement, tout à l'heure, on a eu de la chance pour la balade parce que bah, il pleuvait pas du tout. On est rentré dans la voiture, il a commencé à pleuvoir. Et depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Ce soir, je sais pas si on fait le shooting ou pas. Donc, on verra. C'est pour qui ça? Tenez mes loulous. Oui, chacun. Allez, on le prend. Voilà. Tiens. Oh oui. Allez sur le tapis là, la serviette. Bon, alors, je me suis préparée pour le shooting parce que du coup, on ne sait jamais, mais il pleut quand même toujours. Mais regardez! Attendez. Là, la luminosité, voilà. Regardez, là! Il y a un beau ciel bleu quand même. Donc moi, je dis qu'encore quelques minutes et après, il va faire beau. Et finalement, on a pu faire notre shooting photo. Jour 3. T'as moitié habillée. T'as pas mis ton harnais. C'est pas comme ça qu'on met le harnais, hein? Non? Eh bien, on se retrouve pour ce troisième jour. On est vendredi. Il ne pleut pas pour l'instant. Il fait pas très beau, mais il ne pleut pas. Ils ont annoncé de la pluie vers midi 14h. Donc, il est actuellement 10h. On part faire une balade. On va essayer de trouver une autre cascade. J'espère que ça sera accessible et qu'on va bien trouver le chemin. Mais bah, on verra. Et on retente une nouvelle cascade. Je vous laisse avec nos galères. Bon, on est arrivé, il y a plein de panneaux. On sait pas par où aller, mais on va tester. Hein. Et ben voilà, on est arrivé, voici la cascade. C'est pas mal, hein? Bon, il y a toujours pas marqué cascade, mais il y a marqué gorge de Verbois. Donc ça doit être par là. Bon alors, je pense qu'on est sur le bon chemin et on n'entend pas de bruit d'eau, mais peut-être on est encore loin. C'est vraiment super marrant ces arbres, on voit pas très bien, mais en vrai c'est super joli. On arrive à la cascade. Ben alors, on a trouvé l'eau? Oui? Bon alors, il y avait de l'eau, on a perdu l'eau, donc je pense que c'est pas par là. Donc on fait demi-tour et on va essayer un autre chemin pour trouver cette cascade. C'est en haut, hein. C'est pas en dessous le pont. Faut prendre le pont, c'est au-dessus. Alors, nous avons tenté un autre chemin et ce n'est toujours pas ça. On voit rien, mais à mon avis, c'est ici. Par contre, je crois qu'il n'y a pas d'eau. Donc, ouais. Ça ressemble quand même étrangement à la cascade.
Eh bien, on n'a pas trouvé. Après cet échec, non, en vrai, la balade était très sympa. Nous sommes allés au camping avant de faire un nouveau shooting Alors, photo. Alors, le programme, on refait une séance photo et il y a du soleil. Non mais incroyable. On va aller au rempart, ça va être chouette. C'est pas très loin du camping, donc let's go. Bon allez, c'est parti pour la WooFest de Lyon. Il est actuellement 8h30, on va aller emmener Opus dans une pension pour le faire garder. Il va passer sa meilleure journée, je crois, avec plein de chiens, ça va être bien pour lui. Et Mélodie, du coup, on part à la WooFest. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on fait garder Opus. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Opus est pas mal réactif. Il réagit beaucoup à tous les deux roues, les joggers, et avec les autres chiens, il n'est pas à l'aise, surtout en laisse. Nous travaillons tout ça, mais pour l'instant, on ne préfère pas l'emmener sur ce type d'événement. On est arrivé ? Ouais ! On arrive ! On fait un petit tour de la WooFest et on commence les activités par l'agility. On active la circulation, on fait un petit échauffement et c'est parti! Après l'agility, on s'est fait embarquer pour un petit jeu où il fallait faire un parcours et prendre une pomme sans les mains, le tout chronométré. Franchement, on s'est pas mal débrouillé. Allez, on est bien, je le tente. Maintenant, je la mange. C'est ce gigant. Non, mais regardez comment le petit chien il court. Mais elle a l'air toute prête. Un petit peu qui avait l'air toute seule. Comment ça se fait? Alors, on a voulu tester le leur. Tous les chiens étaient à fond. Et bah, sauf Mélodie. Elle en avait rien à faire du tout. Elle n'a pas du tout compris le principe. Elle attendait plutôt qu'on lui lance une balle. Puis on y a cru, mais non. Allez, Mélo! Chup! 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 Regarde, là! Oui! Tu veux pas? Bien sûr, ce genre d'événement, c'est l'occasion de vous rencontrer, de faire des photos, de discuter un petit peu, et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous croisez. Why don't you stay, stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Stay, stay here with me. Mélodie a testé la piscine, puis on a voulu essayer le woof jump. Il est 15h15, il commence à pleuvoir. Pendant qu'on faisait la queue, il a commencé à grêler.
son gilet de sauvetage et c'est parti. Ou pas. Allez, Mélo. Décidément, entre le leurre et le plongeon, Mélodie. Pourtant, Mélodie adore l'eau. Elle adore jouer, mais alors là, ça ne lui disait rien. Elle a entendu la voix de ma maman, alors elle y a finalement été. Allez, viens, ma fille. Oui, c'est bien. Ah, peut-être non, mais ça y est. Ouais, c'est un beau plongeon, moi, je dis. Allez, ma chérie. Allez, 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 allez. Ouais. Allez, viens me voir. Je lui ai trouvé une excuse, elle n'aime pas du tout la pluie, alors je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu y aller. Bon, il est 16h30, on va partir parce qu'on a fait un peu tous les stands et surtout il y a un peu de gadou partout. Donc on reviendra demain comme prévu pour la course à obstacles. Et voilà, c'était une chouette journée même si on s'est pris la pluie, même la grêle. Merci. Eh bien, dernier jour, on est dimanche. On repart à la WooFest pour cette fois-ci faire la course à obstacles. On est prête. Regardez. Je sens. Enfin, pour l'instant, il pleut pas, mais apparemment, au parc, il pleut. Donc, on verra. Après, le soleil, normalement, il arrive entre 11h et 14h. Donc, parfait. Le temps qu'on fasse la course. Cette fois-ci, Opus est venu nous accompagner, mais il est resté à l'extérieur de la WooFest avec ma maman. Nous avons récupéré nos dossards, on a rejoint Laura, Koda et Nita, et nous avons retenté le Woof Jump. On va aller plonger ? Tu vas aller plonger, ma puce ? On va aller plonger ? Eh bien, c'était encore un fail, même pire que la veille. Ce n'était donc pas à cause de la pluie. Non, mais je rêve. Allez, regarde, il y a le soleil qui sort pour toi. Bon, et bien c'est parti. Il est 11h30, on a pris l'autre vague d'après. Et voilà, il y a du monde quand même qui court. Apparemment, c'est quand même pas si facile que ça. Il y a beaucoup de boue, donc on verra. Mais par contre, on a un peu de soleil, donc ça c'est bien. Ça, c'est pas vraiment l'échauffement. Et c'est parti pour la course à obstacles. Ne parlons pas, s'il vous plaît, de notre échauffement catastrophique. Attends, mais comment tu fais des montées de genoux croisées? Ouais. À 10. Il y a Pupus qui nous attend. On monte. Et le premier obstacle qui met bien dans l'ambiance. Attention, go. J'ai de la terre de partout. Mais... c'est horrible. Non, ouais, alors, il y a passage facile et passage difficile. On prend quoi? Allez, vas-y. Attends. Il y a de la boue. Mais oui, c'est ça que je te dis. C'est pas fini. Hein. Vous avez vu un peu ce deuxième obstacle? Ça rigole pas. Ça glisse. On s'enfonce. On perd nos chaussures dans la boue. Bref. Et pour finir, une belle glissade pour atterrir dans la boue. Fille, sérieux? Quoi ça? Oh, les soins. Ah, j'étais pas prête. C'est froid. J'ai peur, hein. Attention, Mélodie. Bouge pas, Allez, viens, ma
quand même. Ah, merci. Non mais la cata, vraiment incroyable. Allez, on continue. On rampe. Faut ramper. Oh. Je me glisse. Aïe. Ah, on fait un ventre glisse. Vas-y, tire, Mélodie. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Oui. Oh putain. Voilà. C'est génial. Après ça, je vous laisse imaginer mon état. Mais on continue. Yes. Super, ma fille. Dernière ligne droite. Allez, va ma fille. Allez, vas-y, monte. Allez, monte, ouais. Vas-y, tu montes. Allez, vas-y. Allez, monte. Allez, allez, vas-y, vas-y, monte. Allez, allez, monte. Deux, trois. Allez, cette mélodie. Oui. Oui. Les gars, je sais pas ce que vous voyez, je vois rien. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui. On est arrivé. Oui. C'était vraiment génial. Une fois fini, on est allé se rincer, mais bon, ça ne sert à rien. On va aller se rincer. Allez, Nini. Attention, Nita. Oui. Oui. Non, tranquille. Oui, ça se rince. Bon. Je me suis rincée, mais on dirait pas. Je sais pas si vous voyez, donc c'est à moitié validé. Hein. Même pas du tout d'ailleurs. On est parti se changer à la voiture. Opus a été super sage toute la matinée. Apparemment, il n'a pas arrêté de faire des photos, même en dehors de la WooFest. Mais quelle star! Alors de temps en temps, il est venu faire quelques apparitions dans la WooFest. Ensuite, on a mangé. Mélodie a eu un superbe portrait. Regarde! Ouais, c'est toi ça? Oui! Mélodie? Oui! Super! On a tenté le high ball. Je suis tombée. Mélodie m'a foncé dessus. Ah là là! Mélodie a goûté au puppuccino sur le stand de Mexi. Un régal apparemment. Regarde. Oh oui. Oh oui. Et puis c'est déjà la fin. C'était vraiment trop bien. On est rentré au camping et le lendemain, on a pris la route pour rentrer à la maison. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Nous, on s'est trop bien amusés. Je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Opus a été vraiment adorable. Comme vous avez vu, il a fait quelques apparitions à la WooFest le dimanche. Et franchement, il a géré, mon petit loulou. Oui, mon cœur. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!